Buongiorno, benvenuti da Gladiatore. Des projets pour lesquels nous avons démarré les restaurants, c'était dû uniquement au constat plusieurs fois confirmé du manque d'authenticité de la cuisine italienne dans les restaurants qui sont situés à l'étranger, notamment en France. Et voilà, c'est dans ces cadres-là que j'ai voulu créer les restaurants pour viser à proposer uniquement des plats authentiques avec des ingrédients simples mais sans compromis, donc sans s'adapter aux goûts locaux comme souvent c'est le cas à l'étranger. Notre cuisine s'avère donc être essentielle et vise à l'utilisation des produits frais et simples pour obtenir des plats de haute qualité gustative. La devise de l'établissement est comme il est difficile d'être simple. En effet, le but, c'est de surprendre les clients avec la simplicité des plats. Les personnels en salle parlent couramment trois langues, français, anglais et forcément italien. En cuisine, le cœur du restaurant, nous avons uniquement des personnes italiennes qui ne parlent pas français d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui compte, c'est plutôt leur savoir-faire. En octobre 2012, un an et demi après l'ouverture, la Chambre de commerce italienne nous a remis le prix Hospitalità Italiana, qui est décerné aux restaurants italiens dans le monde, qui ont réuni des critères très stricts. Et d'ailleurs, nous sommes les seuls à Aix-en-Provence à l'avoir obtenu. Notre restaurant est ouvert uniquement le soir, tous les jours, sauf le mercredi, jour de fermeture hebdomadaire. Il y a deux salles dans les restaurants, une salle au rez-de-chaussée qui compte une dizaine de couverts et une salle, la salle principale en bas, c'est une salle coupée climatisée. Le restaurant est situé au centre-ville d'Aix-en-Provence, précisément au 14 rue de Bernardines, et il se trouve à 200 mètres de la rotonde. Donc les parkings les plus proches, c'est les parkings de la rotonde.